On peut tout se dire par le téléphone. C'est la magie de la technologie. Mais quand ça touche les sentiments, les bons comme les mauvais, c'est mieux d'avoir la personne en face de soi. Alors, on en était où? Ouais, c'est bon, j'ai l'adresse du gars qui a la manette. Mais qu'est-ce que je fais? Mais comment ça, tu fais quoi? T'y vas et tu récupères la mallette. T'as besoin qu'on te fasse un dessin? Ah non, ça va aller. Bon allez, bisous. Bisous? Non mais attends, je sais qu'on a déjà assez débattu de ça, mais il est quand même incroyablement con, ton Tony, là. C'est un champion de toute catégorie, hein. Faut pas être aussi catégorique. Non mais là, ça dépasse l'entendement, quand même. Oui, bah faut lui laisser le temps. Le temps de quoi? Faut laisser le temps au temps, je veux dire. Mais je pense pas que ce soit une question de temps, hein. La connerie, ça se soigne pas. Bon, et sinon, Quentin, on l'a retrouvé? Non. Toujours pas. Il est peut-être retourné chez sa mère. Vous vous enlacez pas de ce jeu? Ça nous détend les nerfs! Daniel Anderson? Yeah? I have the briefcase. Do you? I may give it back to you. For a big wad of dough. How are you? I ran into the plumber the other day. Oh yeah? Yeah. He was working for Monsieur Fernand. Oh, Fernand. That old frog looking for the big one. What did you do? I scared him, just like you told me to. Perfect. You want me to take care of the whole band? I mean, the conductor and its orchestra? No, we'll let them shit themselves a bit first. What about the briefcase? Well, the plumber didn't help much. He was incredibly dumb. Oh, but I ran into Leon today. And? Well, he's dead. End of an era? He gave me nothing. I'm afraid somebody ran into him first. You know, I think he'd already told someone, so he refused to tell me. It's absurd. I'm not sure. You know, once he betrayed his own oath, he expected nothing but death. There you were. What's your next move? Someone called me on Charlie's cell phone. Says he has a briefcase, and he wants a large wad of dough to give it back. I want you to find him. Encore? Mais vous allez pas commencer à visiter la boutique tous les jours, si? J'ai un petit service à te demander. Ah, le service, c'est pas trop ma branche. Tout vraiment, on me rattache plutôt à l'industrie rapport à... Je sais plus trop. Dans quelques jours, j'aurai 4 cadavres sur le dos. Du travail perso, j'ai besoin que tu t'en occupes. T'as vu tout le taf que je me tape là? J'ai pas le temps pour les insultes, moi. Écoute, ils sont sur aucun contrat. Le room service ne sera pas au courant. Ils existent pas pour lui, donc c'est tout bénef pour toi. C'est qui les mecs? Je les connais? J'en sais rien, tu connais beaucoup de monde. Bah, je sors jamais ici, moi, donc je veux juste les mecs qui me livrent, quoi. Et encore, j'ai pas trop la mémoire des visages. Donc, qu'est-ce que ça peut te faire? Non, je m'en fous, hein, en vrai, mais c'est juste heure de causer, quoi. J'ai pas trop de temps pour les causettes en ce moment. Tu marches ou pas? Je sais pas. Des fois, j'ai envie de tout quitter. Refaire ma vie. Acheter une petite ferme. Faire pousser des artichauts. Les artichauts. C'est pas bon, les artichauts. Ah ouais, t'as raison, ça. C'est dégueu, les artichauts. Surtout les poils blonds au milieu entre les feuilles et le cœur. Ça se mange pas, ça. Je sais pas, mais c'est dégueu. Quatre mecs. Juste quatre.
Ok, je marche, mais bien découpé et tout, hein. Promis. Here we are, boys. Charlie Anderson's flat. Now, Bitch Fingers doesn't like people messing with his stuff. He doesn't like people who forget to take their shoes off coming in, and he doesn't like people looking at the paintings he's stolen. But Charlie Anderson is dead, so who gives a shit? Hagen. Keys, Hagen. You left them at the bar, didn't you? Well, it's not me who's biking.